Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier top 10 des sorties cinéma de la chaîne. Et pour ce faire, nous allons faire les 10 films les plus attendus du mois de novembre. Et donc nous commençons tout de suite avec le numéro 1 du top qui est 007 Spectre qui sortira le 11 novembre en salle. Cette organisation, vous connaissez son nom? Elle s'appelle Spectre. Regardez autour de vous, James. Tout ce en quoi vous avez cru est en ruine. Pourquoi êtes-vous venu? Je suis venu pour vous tuer. Moi qui croyais que vous veniez mourir. C'est une simple question de point de vue. En numéro 2, on retrouve Hunger Games, la dernière partie qui sortira le 18 novembre au cinéma. Je vous ai observé, et vous m'avez observé. Ma chère mademoiselle Everdeen, ne commettez pas d'erreur. Le jeu touche à sa fin. Pour la première fois de notre vie, les 13 districts sont unis. Notre futur commencera demain à l'aube, quand nous marcherons ensemble sur le Capitole. Pour nous ralentir, le président Snow a mis en place de nombreux pièges. Des inventions sadiques des créateurs des jeux conçus pour faire de nos morts un sport. Mesdames et messieurs, bienvenue au 76e Hunger Games. De deuxième chance. Il faut que ça marche. Personne n'est à l'abri tant qu'il est vivant. Snow doit payer pour ce qu'il a fait. Nos vies ne nous ont jamais appartenu. Elles appartiennent à Snow et nos morts aussi. Mais si tu le tues, Katniss, si tu mets fin à tout ça, toutes ces morts, elles auront un sens. Ce soir, tournez vos armes vers le Capitole. Tournez vos armes. En numéro 3, nous retrouvons Macbeth qui lui sortira le 18 novembre dans les salles de cinéma. None.
be. A full of scorpions is my mind. What's done is done. Brothers! En numéro 4, nous retrouvons Les Anarchistes qui sortira le 11 novembre, soit dans exactement 2 jours. Suivez-moi. J'aimerais que vous travailliez pour moi. Quel travail ? Intégrer un groupe d'anarchistes et me renseigner sur eux. Pourquoi moi ? Disons que vous avez la tête de l'emploi. Vous inspirez confiance. J'ai l'espoir d'une organisation sociale dans laquelle personne ne contrôle personne et où chacun se contrôle soi-même. Je me suis fait tabasser. Grâce à cet homme, je suis là. Je compte bien lui servir à boire. Maintenant que vous les tenez, ne les lâchez plus. Hein. Je veux tout savoir. Vous vivez tous ici ? Oui. Si vous voulez leur plaire, il faut leur ressembler, sinon ils verront que vous trichez. Qu'est-ce que tu fais là, Alain ? Qu'est-ce que tu cherches ? Je me demande pourquoi ta tête ne me revient pas. Laisse tomber, c'est un jaloux. Il supporte pas qu'ils disent que t'es à la bonne. Le bonheur, c'est quoi ? C'est de s'embrasser, c'est de penser. C'est de vivre le bonheur, d'être libre. Qui en est ? Si vous faites ça, je veux plus jamais vous voir. Les gens disent que les anarchistes sont des fous, c'est vrai. Cette folie est engendrée par le système. Faut toujours tomber amoureux, c'est le seul truc qui vaut la peine d'être vécu. T'as déjà été amoureux, toi ? J'arrête, moi, c'est terminé. Mais c'est beaucoup trop tard pour arrêter. Si vous arrêtez, vous serez plus anarchiste, plus libre, plus rien du tout. Si jamais ça tourne mal pour moi, je veux que tu t'occupes des Judith. Ange Gabriel est le numéro 5 de ce top 10. Il sortira lui aussi le 11 novembre au cinéma. Bonjour. Ange Pagani. On se connaît ? Il faut absolument que je vous parle. Ah oui, mais là, je suis désolé. C'est à propos de ma fille. Elle est enceinte de votre fils, monsieur. Il lui a fait un enfant, il est parti. Comprenez le problème ? Le seul problème que je vois, madame, c'est que je n'ai pas de fils. Assez ! Vous n'êtes pas le père de Simon ? Qui est-ce qui vous a dit ça ? C'est sa mère. Il faut que vous lui disiez que vous regrettez de l'avoir abandonné, surtout lui demander de ne pas faire la même erreur. Je peux monter dans ma voiture ? Non ! Cinglé ! C'est vrai que vous avez un peu le même sourire. Plombier. Pourquoi tu l'invites pas à boire un petit café ? J'allais partir. Tu savais bien que c'était pas une bonne idée cette rencontre. Et où t'es venue alors ? Elle a arrêté sa pilule volontairement sans me le dire. Elle a quand même pas fait exprès d'oublier sa pilule. Eh ben si, figurez-vous. C'est vraiment une fouteuse de merde. Tout va bien ? Très bien. Ordonnance ! Est-ce que t'es tombée enceinte volontairement ? Mais je comprends pas, qu'est-ce que ça change ? Je voulais vous dire que vous aviez raison pour Claire. Ah ! Je voulais m'excuser aussi pour la gifle. Les gifles ? Elle est née ? Ah si, c'est bien ça, une fille. Mais c'est comme ça les nourrissons. C'est brouillon, c'est chiffonné. Pas d'enfants, pas de mariage, mais beaucoup de femmes, si j'ai bien compris. On est souvent ici. Les femmes aiment beaucoup. Écoutez, je suis désolée, mais vraiment, je vois pas ce que je fais là. Gabriel, embrassez-moi. Vous croyez irrésistible à ce point-là ? Si jamais un jour t'en as envie, je pourrais essayer d'être un père. Comment vous voulez que je m'occupe d'un bébé ? Je sais même pas comment c'est fait. C'est tout petit. Le problème, c'est que ça part pas. Vous m'avez bien piégé, un petit dîner chez moi. Rue de la Tannée, en plus. Rien que le nom de la rue, j'aurais dû me méfier. On va pouvoir mettre son petit pyjama. On va donner la petite Mimi. Il faut leur parler, ils adorent ça. Sur ce ton. Sixième au classement de ce premier top 10, nous retrouvons Les Cowboys qui lui sortira le 25 novembre au cinéma. I was dancing with my darling to the Tennessee walls when an orphan I happened. Alain, tu sais où elle est, Kelly ? Elle est allée voir Ahmed, sûrement. Faut pas vous inquiéter. C'est qui, ça ? Bah, c'est son copain. C'était dans la chambre de ma fille, je te dis, c'est ton fils qui les lui a donné. Ça vient de qui ? Ça veut dire quoi ? Attends, ta gueule, toi, c'est bon. Bien sûr que je vais la chercher, c'est une gamine. Tu feras quoi si tu l'as retrouvée qu'elle veut pas revenir ? Tu la kidnappes ?
Est-ce que c'est moi le kidnappeur maintenant? Tu vois, ta sœur, elle est très intelligente, alors elle croit qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Mais ça marche pas comme ça. T'accompagnes ton père partout. Il a raison de continuer à la chercher. C'est toi le Français qui cherche sa fille? J'ai entendu parler de gens à Sedan, des passeurs. C'est elle. C'est Kelly. Rafia Khalid. C'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant. T'as été au Yémen, au Danemark, en Turquie, là. Et ça t'a servi à quoi? Il y a des nouveaux, faut y aller. Tu viens, Léa? Non. On a d'affaires là, tu gars! Je te dis pas d'arrêter de chercher. Je te dis que tu pourrais faire une pause. Mais je vais rentrer chez moi avec ma fille, espèce de connard! There's a war going on. So what side are you on? I'm on no one side. I'm just looking for my sister. It's always good to meet somebody who knows what they're looking for. En 7ème position de notre classement, on retrouve Les Suffragettes qui sortira lui le 18 novembre. Vous travaillez aussi à la blanchisserie Glass House? Je suis née dans ce quartier. J'ai commencé à mi-temps quand j'avais 7 ans. Puis je suis passée à plein temps à 12 ans. Et le droit de vote, que signifierait-il pour vous, Madame Watts? Le droit de vote pour les femmes, le pouvoir est entre vos mains. Tout le monde s'en tape, ma jolie. Pas tout le monde, alors fermez votre clapet, d'accord? Toute ma vie, j'ai été respectueuse. J'ai fait ce que les hommes m'ont dit de faire. Tu es une femme mariée, tu es ma femme. C'est ça ton rôle, tu dois rester à ta place. Eh bien, je n'accepte plus cette idée. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que nous, les femmes, avons pour décider de notre destin. Nous n'avons malheureusement aucune alternative que de défier sans tarder ce gouvernement. Le droit de vote pour les femmes! Nous allons frapper au cœur des communications. Mon travail est de faire respecter la loi. Je m'en fiche, on m'a pas demandé mon avis sur cette loi. Punissez les responsables, par n'importe quel moyen. Non, non. On vous mettra hors d'état de nuire. En faisant quoi? Vous comptez toutes nous enfermer? On est dans toutes les maisons, on est la moitié de l'humanité, vous nous arrêterez pas toutes. Oui, nous enfreignons les lois de notre pays. Mais nous préférerions les faire, ces lois. En 8ème position de notre top, nous retrouvons Une histoire de fou qui sortira lui aussi le 11 novembre. Nous sommes de purs révolutionnaires. Solitaires, indépendants, orgueilleux et fiers. Aucune force au monde ne pourra salir notre lutte ni épuiser notre volonté. Vos pères se vengeaient comme Tellyrian. Eux au moins ils ont tué une cinquantaine des 500 criminels de la liste qu'ils avaient établie. Depuis, plus rien. Votre génération a renoncé. Vous êtes vos propres fossoyeurs. Soyons les héritiers de Tellyrian et finissons son œuvre de justice. Justice pour le peuple arménien. J'ai toujours dit que j'étais arménien. Je n'ai jamais trahi personne. Je te respecte pour ça. Et pour le reste, tu me méprises. J'ai raison de penser qu'il s'agit de terroristes arméniens. Aram a vu lui cet attentat. Il est parti rejoindre la lutte armée. À Beyrouth. Je suis arménienne. Je voulais vous demander pardon. Je me fous du peuple arménien. C'est peut-être mon fils qui vous a fait ça. T'as déjà blessé ou tué quelqu'un innocent? Je dois arrêter d'y penser. Les vrais âmes pensent. La plupart des Arméniens sont contre la violence. La plupart sont votre fils. Qu'est-ce qu'il veut, Gilles Tessier? Il veut parler à Aram. Fais ça pour moi. C'est de la folie. Il y a des pages qu'on ne tourne jamais.
Si Gilles veut voir son bourreau en face, je comprends. Et son bourreau, c'est mon fils, figurez-vous. Enfin, en avant-dernière position de notre top, nous retrouvons Francophonia qui sortira lui aussi le 11 novembre. Кому нужна Франция без Лувра? Ну или Россия без Эрмитажа? Ну и в самый счастливый город бывает приходит беда. Où est le Louvre? Ah, le Louvre est là. Monsieur Jojard. Vous êtes le premier haut fonctionnaire français que je vois à son poste. Parlez-vous l'allemand ? Non, je suis très français. Je vous prie de me faire part de la situation au musée. Многие сотрудники отправлены в замки. Где запрятаны коллекции. В залах частично осталась только классическая средневековая скульптура. Французам придется привыкать к сильному и дипломатичному врагу. Et enfin, en 10e position de notre top, nous retrouvons Knight of Cup qui sortira le 25 novembre. All those years, living the life of someone I didn't even know. Let me tell you. About you. I want to make you rich. You see the palm trees? They tell you anything's possible. No one cares about reality anymore. It's different these days. What's going on with you? I can't remember the man I wanted to be. Just don't threaten me with leaving, okay? Just do what you want to do. You don't want love. You want a love experience. They are like flavors. Sometimes you want raspberry, then after a while you want some strawberry. You have love in you. I know it. Blind. Suppose it isn't there for me. I was afraid when I was young. Afraid of life. One pays for it. Once the soul was perfect and had wings and could soar into heaven. You gave me peace. Joy. Love. Away from darkness to light. Remember. Hey, what's up everyone? Valerie here with an interesting movie fact from Black Swan starring Natalie Portman. During filming, the actress dislocated her rib, but soon discovered that the film's budget was so low they couldn't afford a medic. The actress gave up her trailer so one could be hired.
Come on now, Natalie. And you couldn't even afford to pay for one yourself. That's Hollywood. For more movie news and facts, keep it tuned to our channel. Voilà, voilà, c'est tout pour ce premier top 10. Je tiens encore à m'excuser pour la qualité de son que j'ai qui est vraiment dégueulasse. Et je vous dis à bientôt pour de prochains top 10.